William Bigeon, vous êtes depuis peu l'entraîneur de vainqueur d'RP. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces deux courses pour votre entraînement? Bah, la première était standard, dirons-nous. Il était sixième, je crois, avec Charles Amélé. Bon, il revenait de Suède, on n'avait pas travaillé dur parce qu'il avait le transport dans les pattes et tout ça. C'était plus une mise en bouche pour savoir un petit peu où on était. La deuxième, à Caen, c'était mieux, je trouvais, à 4400 mètres. C'est pas trop forcément sa distance. Et il m'avait plu correctement. Donc les deux courses, il les a courues ferrées. Le cheval est sur la montante. Donc aussi, vous faites appel à Eric Raffin? Bah oui, c'était l'objectif. De toute manière, moi, le but du jeu, c'était que je fasse ces courses de rentrée. Et puis, maintenant, on met des pilotes chevronnés pour les belles courses, surtout que c'est des bons lots, donc faut pas se louper. À l'entraînement, vous avez l'impression qu'il est vraiment sur la montante par rapport à ce qu'il était il y a un mois ou deux? Bah, je pense, oui, qu'il monte. Hein. De toute manière, c'est ce qu'on avait prévu avec son propriétaire, c'est qu'on soit calme jusque-là. Et puis, quand on arrive à Grosbois, on commence à accélérer le travail. Donc l'hiver est long, il a un beau meeting à faire, il a pas mal de courses à courir, donc il ne fallait pas être prêt trop tôt non plus, mais là, je pense qu'il va arriver prêt pour cette course-là. Il y a un lot samedi. Exactement, il y a un sacré lot, c'est 4 et 5 ans, hein, européenne, donc c'est pas des chevaux qui ont 350, 400 000 euros, c'est pas des mauvais chevaux. Donc je vais dire à Eric de ne pas faire le fou, parce qu'il a un défaut, c'est qu'il peut se mettre à tirer dans le parcours, donc faut pas forcément le mettre dans le rouge en partant, et puis après c'est lui qui va viser, il connaît son job par cœur. Cinquième possible, William? Oh bah, c'est pas facile à dire, mais il y a quand même un petit peu de chaleur, surtout que moi je l'ai pas couru déferré, donc on mise pas mal là-dessus.